plonger dans les profondeurs pour retrouver un mythique vaisseau fantôme. On sent ces âmes perdues tout autour. Officiellement, elles ont été balayées jusqu'à la mer. James Cameron retourne sur le Titanic 20 ans après son film oscarisé. On verra ce qu'on a réussi et raté. Il est trop haut sur l'eau. On s'est trompé, là. Titanic, 20 ans après, avec James Cameron, inédit, sur National Geographic.